Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ou vous apprendre comment est-ce que vous pouvez graver votre CD avec votre ordinateur sans logiciel. Ça veut dire, avec votre musique, avec votre ordinateur, vous pouvez graver un CD. Un CD audio qui peut vous permettre de sauvegarder la musique. Si vous n'avez pas de box ou de flash disque qui peut vous permettre aussi d'écouter la musique dans votre véhicule, donner à quelqu'un et ainsi de suite. Pour commencer, vous avez besoin d'un CD, un CD vierge, un nouveau CD comme on dit souvent. Et ce que vous allez faire, vous allez le mettre, l'injecter dans le lecteur. Dans votre lecteur. Et vous allez soyez sûr que votre lecteur, c'est un lecteur qui peut graver la musique. Et ce n'est pas grave si vous ne le savez pas, mais il suffit d'essayer. Si ça grave, ça veut dire que c'est un lecteur qui peut vous permettre de faire la gravure. Et après avoir injecté votre CD, vous allez aller dans le poste de travail. Et il est là, il va apparaître ici. Et vous, comme vous le voyez, il n'y a rien à l'intérieur. 702 MB et tout, 702, il n'y a rien. Vous allez double-cliquer et l'ouvrir. On va vous demander, vous n'avez pas besoin, ça c'est la date d'aujourd'hui et tout, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez juste laisser là et vous cliquez sur suivant, next. Ça, c'est une musique que j'avais prévue l'autre fois, mais je vais les supprimer juste pour vous montrer ce que je veux faire. Et là, voilà. Maintenant, vous allez partir là où il y a votre dans votre dossier musique. Je préfère couper. Je préfère pas entrer par là. Je préfère couper pour vous le montrer très très bien. Et voilà, c'est là la musique que je vais prendre. Elle est là. Je vais copier ça. Copie. Je coupe encore pour être encore plus clair dans ce que je vais faire. Et je vais aller là-bas. Je double-clique. Et je vais les coller. Ici. Ok. Là, je l'ai collé. Et ce que je dois faire, c'est aller sur Manage. C'est Gestion. Et je vais cliquer sur Finish Burning. Donc, je vais cliquer sur c'est finir la gravure. Je clique et je vais cliquer sur Suivant. Encore une fois. Et voilà. Dès que je clique comme ça va encore me retourner sur cette page. Mais ce qui est intéressant, c'est là-bas. Il y a le lecteur qui va s'ouvrir. Ici, c'est ce qui va m'intéresser. Et je vais me retrouver sur ces lecteurs ici. Windows, Media Player, c'est dans tout. C'est le lecteur qui est souvent avec. Qui vient directement avec le système. Et vous allez cliquer sur Starburn. Donc vous allez cliquer sur Commencer la gravure. Ça sera là. Pas sur Play ni sur Synchroniser. Vous allez cliquer sur. Commencer la gravure, ça c'est en anglais, vous cliquez et voilà, là c'est en train de préparer votre musique sur CD, mais n'empêche, vous pouvez écouter la musique. Ça va prendre quelques minutes pour finir la gravure. C'est voilà, c'est un peu ça. Ce que vous avez besoin, c'est un CD vierge et votre dossier de la musique que vous voulez graver sur votre CD. Rassurez-vous que le CD, c'est un nouveau CD qui est vierge. Une musique qui pourra vous permettre d'écouter la musique dans votre véhicule à tout moment. Faire stocker, garder au cas où vous n'avez pas
des box externes ou vous n'avez pas de flash disque. C'est voilà, ça peut vous aider. Il y a d'autres véhicules qui n'ont pas des ports USB où vous pouvez écouter la musique. Donc, c'est-à-dire, là, ça peut vous être très très utile. Voilà, là, c'est en train de graver, c'est déjà 17%. C'est déjà 17%. Et à part ça aussi, je vais vous montrer sur la vidéo suivante, ça sera comment est-ce que vous pouvez convertir votre vidéo en MP3. Donc, lancez et vous serez vraiment informé de tout à temps plein. Ça, c'est vraiment l'idéal pour vous. Il n'y a pas que la musique. Si vous avez peut-être besoin d'une musique, peut-être que vous voulez les lire ou quoi que ce soit, je suis encore très très disponible, très disposé encore pour faire le karaoké avec instrumental, ou vous avez de l'instrumental et que vous voulez qu'il y ait un karaoké pour ça, je le ferai selon votre goût. Et tout ça sera vraiment gratuit et disponible encore sur la chaîne musique et paroles. C'est déjà 92%, 93%. Et là, vous remarquerez que c'est en train de graver. Ça sera quand ça sera 100%. Et ça c'est le CD va s'éjecter automatiquement et la musique sera directement gravée sur votre CD. 99% et ça c'est le finissage déjà et c'est fini, ça gravé directement. Je vous dis à bientôt. Je vais vraiment vraiment être là, je serai là pour tout ce que vous avez besoin comme help sur votre ordinateur, tout ce que vous avez comme difficulté.